Et bonjour à tous et bienvenue dans cette première journée du main event de cette Fresh Cup. Je suis accompagné de mes chers compères Younid et Doki. Comment allez-vous, messieurs ? Younid, comment vas-tu ? Je vais te laisser la parole quand même. Moi, ça va super bien. Je suis tellement content. Des compètes sur TFT, c'est juste le sang en fait. C'est le meilleur truc. Il n'y a rien de mieux. Rien du tout. C'est le meilleur truc de très loin. Je te rejoins. On est très très content. On a eu un bel Opel Qualifier. Ouais. Et du coup, forcément, là, le main event, on l'attend avec des joueurs qu'on n'a pas pu voir la semaine dernière. Absolument. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Bah écoute, moi aussi, 3 joueurs d'Open Qualifier, on le rappelle. Hein, ils étaient 512 joueurs à jouer la semaine passée. Et de ces 512 joueurs, il en reste que 32 qui aujourd'hui vont devoir se mesurer aux 16 anciens joueurs de la X-League. Donc 16 joueurs pro et 16 joueurs qui se sont qualifiés via Snapshot Ladder. Donc voilà, les 16 francophones hors joueurs X-League qui étaient les 16 premiers FR du ladder qui ont été qualifiés. Aujourd'hui, on aura donc 64 joueurs qui vont jouer 6 parties. 6 parties au bout desquelles il ne restera que déjà 32 joueurs. Pareil pour le jour 2, on va passer de 32 à 16 et on aura une finale à 16 qui se finira sur 8 joueurs. Donc voilà, cut à la moitié aujourd'hui après 6 games, cut à la moitié le jour 2 après 6 games. Comme l'Open Qualifier, ça devrait être OK. Ça devrait être OK. Alors, le format, c'est un snake ? Un snake. Donc, ça veut dire que les joueurs ont des scores absolument... c'est complètement divers dans chacun des lobbies. C'est ça. Donc, par exemple, game 2, dans la game 2, il va y avoir un joueur qui a fait un top 1, un joueur qui a fait un top 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exactement. Il y a un seeding qui se refait toutes les deux parties. Et donc, en fait, on va avoir les lobbies qui vont changer toutes les deux games. Et donc, ça devrait un petit peu tourner. Ça devrait à chaque fois avoir des games avec un niveau très du coup hétérogène puisque du coup on aura les meilleurs avec les moins bons en seeding en snake et donc voilà ça va être assez sympa à suivre. On a eu un patch il y a pas longtemps donc ça va faire un petit peu comme la première GSC. Après heureusement cette fois-ci le patch c'est un petit patch. C'est un petit patch voilà. C'est un petit patch c'est vrai. Après le patch a quand même beaucoup changé mais c'est un petit patch. Ouais mais en fait c'est format GSC, c'est open qualifier, patch GSC enfin et du coup là main event, c'est souvent comme ça que ça se passe donc les joueurs normalement sont habitués. Là en théorie, franchement le patch ça va. Et en vrai, il y a que 2-3 changements parce que je peux te dire que pour la GSC le méga patch qu'on s'est pris 2 jours avant le tournoi, c'était vénère. Mais le patch d'avant, il y avait entre 2 et 4 discos par lobby. Là, il y en a zéro dans tous les lobbies. Donc, ça il y en a un pas... de temps en temps quand il même. Il y en a un de temps en temps parfois si la TF3 ne fait pas un bottom. Non, mais t'exagères. Nous, on est de la team. Si t'es devant, c'est bien. Ouais, si t'es devant, c'est bien. Genre, si t'es neuf, t'as le X2, là, il a eu deux le truc, c'est donc, bien. Le patch, le plus gros truc qu'il a changé, c'est ça. En fait, c'est ça, oui. La disparition de Discord. En fait, je pense juste que. L'apparition de quelques deux costs qui arrivent un petit peu en mode. Moi, je pense que juste, tu sais, les Riven Yone, ça a été remplacé par d'autres rerolls, mais globalement, le jeu, il a pas changé, quoi. Et encore Riven Yone, tu peux cliquer dessus, mais c'est moins ouais, qu'avant. C'est moins punchy. Tu vois, c'est pas le mec slash defend. C'est pas genre tu slams ta QSS tour 1, tu dis Riven defend et bonne chance. Tu vois. Bah notamment parce qu'il y a plus de disco dans les lobbies. T'as un match-up free en moins. Oui, tout à fait. Et puis les nouvelles compos reroll sont un petit peu chaudes hein, pour les joueurs de Yone et de Riven. En fait, notamment Punk. Ça. Punk, ils ont un gros mono cible et. Punk en gros mono cible, t'as les Ezreal qui ont un gros mono cible et Harry qui reviennent qui ont un gros mono cible. Donc en fait, le fait qu'ils retirent une comp, les comps restent pareils, ils ont pas été trop bougés, mais les match-up changent et du coup ça. Du coup, c'est un petit peu différent. Et on le précise aussi, reset de points tous les jours. Ah oui. Bah, pas de conservation des points. De préciser. Voilà, donc le but, c'est pas de faire si top 1 aujourd'hui, tu peux, c'est cool. Franchement, force. T'as un bon tiebreaker. Si top 1, c'est très bien, mais ça va pas te donner de gros avantages pour demain. Donc, faut garder un peu de chance pour demain. Faut y aller mollo sur le high roll. Les 32 joueurs de l'Open Qualifier, je sais pas si vous avez un petit peu suivi. Est-ce que vous avez un petit favori, un petit pseudo à surveiller? J'ai pas suivi, moi. Moi, j'en ai un qui a fait une super perf en Ultimate Maestro, c'est Bensack. Bensack? Bensack, en vrai. Ouais, et c'est pourtant, vrai le jour 3 de l'Open, c'était chaud parce qu'il avait démarré par top 8. Et après, ouais, il a fini par se qualifier un peu à l'arrivée. Genre, il a fini 28, un truc comme ça. Mais il est très fort, Bensack. L'Open Qualifier, il y a des gros pseudos qui sont pas passés. Hein. Il y a des pseudos qui sont. Moi, je pense à par exemple Ketzer. Qui s'est fait jour 2. Qui s'est fait jour 2. Ouais. Donc, il y avait quand même des très très bons joueurs. Et parmi certains qui ne sont pas passés, qui n'ont pas réussi à se qualifier. Et donc, vraiment, le c'était quand même un format qui était très permissif. 6 games, cut à la moitié, etc. Normalement, ça passe. Et là, on va avoir quand même, je pense, du gros niveau. Et ça va être assez intéressant de voir un peu. Comment est-ce que on peut appeler ça le sub top FR fait pour se mesurer au top FR hein, tu vois les gros pseudos, les doubles, les combis Enzo, tout ça on sait que c'est des joueurs qui perfent à l'international depuis maintenant plusieurs sets. Ça va être assez intéressant de voir comment est-ce qu'il y en a qui vont s'en sortir, est-ce qu'on a des pros qui vont se faire day one, c'est ce qui peut arriver. Je pense qu'il y en aura il y en aura quelques-uns, c'est sûr. Normalement la majorité passe. Mais il y aura forcément des surprises, tout comme il y a des pseudos qu'on ne connaît pas trop,
qui vont arriver Day 3, c'est quasiment sûr. Et après, je suis très curieux de voir les pseudos, c'est qu'on voit en ladder qui sont tchal, genre mid-tchal, donc qui peuvent faire des trucs. C'est des mecs comme genre Oaligato, c'est des mecs comme ça, ouais. Qu'on voit en ladder, on le voit quasiment jamais en tournoi. Je suis un peu curieux de voir ces mecs-là, tu vois. De toute façon, les tournois, les premiers que tu fais, t'as un peu le baptême du tournoi où tu te rends compte que ça a rien à voir avec les game ladder. Et je pense qu'au début, tu te pètes peut-être un peu la gueule. Tu te rends compte que les mecs ils push 4 beaucoup plus facilement en early, ils stabilisent leur board plus facilement, ils aiment bien économiser leur point de vie, jouer plus safe. Alors qu'en ladder, t'es là, open dans tous les sens, rien à foutre, on clique sur tous les augmentes qui sont les plus high risk, high reward du jeu, et au pire, c'est pas grave, tu relances. Là, c'est pas pareil, parce qu'un top 8 peut te coûter très cher, donc on va voir un petit peu comment ça va jouer à ce niveau-là. On peut peut-être faire un petit point format, parce que je rappelle quand même que cette fois-ci, pour la 8e édition de la Fresh Cup, il y a une petite différence avec les précédentes, c'est qu'elle fait partie du X-Tour, les amis. Le X-Tour, c'est quoi ? C'est le nouveau format de compétition en France qui remplace la X-League, quelque chose qui est un petit peu open à tout le monde. Pour ceux qui ont suivi l'Ultimate Maestro, qui était le premier événement, eh bien, ceci est la deuxième étape de ce X-Tour. Donc voilà, il y a eu certaines guidelines imposées, bien sûr, hein, un open qualifier à 512 joueurs, tout le monde est inscrit. Alors, petite anecdote, le plus bas elo sur les 512, c'était, je crois que c'était à Diamant 2 ou Diamant 3 le cut, quelque chose comme ça. Ah, quand même. Ça va. En fait, on revient à la limite d'inscription de l'open qualifier de GSC au final. Ouais, et pour le snapshot des 16 qui étaient directement qualifiés via le ladder, le plus bas elo, c'était genre 1200 et quelques. Et c'est Magarki le plus bas. Et c'est Magarki. Alors, Magarki, c'est marrant. Parce qu'il n'était pas qualifié à la base. Ouais. Et comme Brank, qui était un joueur X-League, arrête TFT, ça libère un slot. Et du coup, le 17e, qui est Magarki, a été repêché. Let's c'est pas go. Mal, hein. Ça lui ressemble bien, ça, en plus. Hein. Et là, il a passé une semaine aussi, du coup, il n'a pas du tout joué. Il est encore, il va jouer de là-bas. Okay, il a fait un tweet. Il a fait un tweet du genre vous pouvez me suivre via le mode spec, ouais, parce que le mode spec est maintenant disponible. Tout le monde peut spec n'importe qui. Nous, on va suivre un peu tout le monde. Mais si un joueur en particulier que vous avez envie de suivre, vous pouvez totalement lancer votre client. Il faut passer par LOLChess. Ouais. Vous allez sur LOLChess. Vous tapez le pseudo et puis s'il est en game, vous pouvez juste cliquer. Ça vous fait un petit fichier qu'il faut faire exécuter. Voilà. Si vous avez envie de suivre un joueur absolument en particulier, vous pouvez juste faire ça. Sinon, vous pouvez vous êtes le bienvenu ici. Voilà, vous pouvez vous poser avec une petite boisson. Nous, on va commenter en mode à la cool. C'est l'apéro, là. Ah ouais, aujourd'hui c'est chill. Aujourd'hui, c'est chill. Et puis après, ça va garder sa voix pour le jour 3. Parce que la finale, bien sûr, ça va être plus intense. Donc vous voyez, hein, le format Open Qualifier et puis un main event à 64 joueurs, 32 joueurs pour le jour 2. Et la finale, elle se fera à 16 joueurs. Il y a une petite modification au niveau du format de la finale. Donc la finale commence à 16 joueurs. Il y a 4 games. Et puis après 4 games, il y a un cut à la moitié, conservation des points, et la fin de la finale se fait à 8 joueurs avec 3 games. C'est voilà. Trop bien, c'est donc super. Ça va être super chouette super dans cool. Le sens où sur les dernières games, il n'y aura pas deux lobbies en même temps, et généralement, franchement, il y a des grandes chances que ça ne soit pas un joueur qui valide un top 5 qui a gagné. Et c'est pour ça aussi que parfois, le format Championship, c'est cool. Quoi. Celui qui gagne le tournoi, c'est celui qui a fait top 1 sur la dernière game, donc il y a ce petit côté suspense jusqu'à la fin. De qui gagne. Donc ça, c'est pour le format du X-Tour. Voilà, c'est la deuxième étape, sachant que les enjeux pour aujourd'hui, c'est 5000 euros de cash prize qui seront distribués entre les vainqueurs, mais aussi des places qualificatives pour la GSC2 qui arrive très bientôt. D'ailleurs, les snapshots, c'est lundi. Et là, le top 35 du ladder, c'est déjà très, très haut. 1430 LP actuellement. Ouais, ça va probablement grimper un petit peu. Donc les places GSC, ça peut être très intéressant pour certains joueurs qui ne sont pas spécialement haut elo dans le ladder et qu'on a l'habitude d'attendre. T'en as peut-être en tête. Moi, celui que j'ai en tête, c'est les Coco qui n'a pas du tout travaillé le ladder. Il est très fort en tournoi, donc il compte vraiment sur cette Fresh Cup pour se qualifier. Ouais. Et après, il y en a qui sont un tout petit peu au cut. Genre, typiquement, chaque Toon, il est vers 1410, tu vois, où il est tout pile. Et voilà, pareil, la Fresh Cup, ça va être très très important pour eux. Et également, le dernier enjeu, après, c'est place GSC, donc il y en aura 4. Ouais. C'est une place en Coupe de France pour le vainqueur. Ouais. Qui rejoindra du coup les cocos. Ouais, et des points de circuit pour les autres. Exactement. Selon votre classement dans les événements communautaires, vous gagnez des points. Ceux qui ont le plus de points sont qualifiés directement en Coupe de France. Voilà, donc triple enjeu pour ce tournoi. Et donc, dans tous les cas, même si tu ne prends pas cette première place, il y a des places de GSC, il y a des places en Coupe de France. C'est très important. Ça fait partie du nouveau format compétitif en France. On en a déjà parlé lors de l'Ultimate Maestro. Super cool. Ouvert à tous. Et puis, c'est des tournois réguliers, des gros événements. C'est un petit peu plus digeste, je pense, d'un point de vue spectateur aussi, d'avoir des événements.
Et ben, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. J'ai beaucoup joué sur ce patch, un patch que j'aime beaucoup, et j'ai hâte de voir si, si les joueurs nous ont cooked des petits trucs, des petites techs qui ont pu apparaître sur les derniers jours. Et en plus, du coup, là, 100% des joueurs qu'on va commenter ont moins d'LP que toi, littéralement. 100% des joueurs. Wow. 100%, ouais. C'est 100%. Dingue, hein. Ouais, j'aime bien cette stat. Ah. Ouais, on peut le dire, fallait le dire, fallait quand même le placer. Non, mais c'est vrai. Je me suis dit, tu pouvais pas le dire parce que sinon il y a un flex. Après, tu vas dire oui, flex, machin. Non, c'est vrai. Il fallait quand même sortir cette stat pendant ce stream. C'est vrai, tu dis des faits. Dis des faits. De je ne peux pas te contredire. Je ne peux pas. Écoute, tu as tout dit. Les games ne vont pas tarder à se lancer. Il est 16h57. Les games se startent dans 3 minutes. Et on va avoir droit à un petit mode spec. Alors, je ne sais pas qui est-ce qu'on va regarder en premier. Est-ce que les poules sont up? Est-ce qu'on a les poules? Ah oui. Je pense qu'il y a des... Attends, le premier seeding, c'est comment? Il est random, le premier. Le premier, c'est random. Ah, donc il y a peut-être des poules un peu spicy, en vrai. Après, moment, attends, est-ce que c'est random ou est-ce qu'on estime que les 16 joueurs snapshot ladder sont un peu plus mieux seedés que les open qualifiers? Oui, c'est le roi Flo Leroy qui gère ça? Je crois que Flo Leroy, il avait seedé pour Ultimate. J'ai un doute. Il fait des trucs de fou de toute façon. Ce... Ouais, c'est chaud. Big up quand même à Flayer. On a les poules. Alors, TLT, Espat, Hack, Petit Dino, Texitar, Matruc, Belae. Sympa. Moi, j'ai envie de suivre des pseudos qu'on n'a pas vus pendant l'Open Qualifier. La poule numéro 6. Théma, la poule numéro 6. Alors, on a Opal, Zagranda, Gobuster, Yaroi, Les Coco, Volta. Elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal. La 8, elle est dingo. Double Cassandre, Hyperion, Zico, Intox, Katz. Alors Katz, il dit Katz are cute dans la game, full mute. Et c'est mute, ouais. Et des fois, il le dit même dans le chat Twitch. Ouais. C'est vrai? Ouais. Katz are cute, ouais. Full mute. Et avec Fresh, on a réalisé que Katz était français en le voyant en open. Ouais, voilà. Parce que je savais pas du tout. Je savais pas. Incroyable. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Il y a une poule avec Pat Ball, Kant, Bizliress. Elle est cool, celle-là. Et il y a Ben Sack dedans aussi. Et il y a Xan Free Maxi. Avec O Alligato Brotag. En fait, elles sont toutes bien parce que je regarde même la 7 avec Clémou, ouais. J'ai du Zor, Keno. Ah ouais, la 5 est belle, j'avoue. La 5 est belle et la 8 aussi. La 5, je dirais la 5 ou la 8. Peut-être même la 6. Sachant qu'il faut en choisir deux du coup, parce que là on a deux games avec ces poules là. Donc, je sais pas s'il y a des co-streams de lancer ou quoi, s'ils si attendent le week-end, si le jour 1, je sais pas. Attends, mais il y a potentiellement. Il y a un co-stream Solary du coup ou pas? Je pense pas. Parce qu'ils ont pas de place. je pense que là, les gens ont dû réaliser qu'on est à Tours là et qu'on est au loco. Et je crois qu'il y a pas de co-stream Solary, les gars. On est là quoi. Ouais. Je sais pas on leur a si pris leur spot, là, je crois. Après, on leur fera une petite place pour le jour 3, peut-être, s'ils sont en finale, mais ça va être chaud là. Écoute, je sais pas du tout. Hein. Et moi, la 6-8, elle me chauffe de fou. Ouais, hein. Ouais. 6-8, c'est bien parce qu'on est dans les locaux Solary. Commencer avec un joueur Solary, ça peut être intéressant. Non, moi, j'ai même pas fait attention parce que je vois, il y a un double, il y a un Go Booster Yaro. Forcément, double, c'est un peu le on a envie c'est un peu le GOAT double, tu vois, on peut c'est le dire. C'est un peu le GOAT français. C'est le GOAT. Il y a double et entre français et européen. Moi, je pourrais ajouter européen même. Européen, tu peux. Je pense que c'est le GOAT. Européen, c'est alors, le GOAT. Ah oui, là, le GOAT World. Non, c'est GOAT World, non. C'est Juanmi ou Title ou Milala. Quoi. Ouais. Mais européen, on peut dire que c'est GOAT. Oui. Mais même, il y avait un classement qui était sorti par le Don't Talk If You Don't Know version EU qui a émergé. Ils ont tous les joueurs inter mettent double en 1. Ouais. Sans exception. Quand tu le vois jouer en compète à très haut niveau, tu vois qu'il a un truc. Pour moi c'est un truc que j'ai toujours dit. C'est le seul joueur, généralement, quand je le regarde, j'ai rien à lui reprocher. Tu vois. Ou alors, faut vraiment creuser de zinzin. Tu es en mode, ouais, peut-être que ça, c'était bien aussi, mais il n'y a jamais genre. C'est jamais le joueur, tu le regardes et tu dis, ah, c'est pas ouf ça, tu vois. Je suis d'accord, il est appliqué en fait. Il ne fait vraiment pas beaucoup d'erreurs, il est très attentionné au détail, tout le temps. Et donc, c'est généralement le joueur qu'on aime bien suivre. Bah, commencer par double. On peut commencer par double. Vas-y, on commence par double. Moi, ça part, c'est pas de problème. En plus, dernièrement, j'ai un petit peu essayé de spec des games dans le ladder et je le vois jamais en game. Moi, je le vois parfois. Après, et j'avoue quand il est là, le double bretzel est dans la place, je crois bien. Et donc, ça va partir, hein, je pense. De toute façon, ça va lancer. Les games vont pas tarder à se lancer. On va pouvoir rejoindre. Alors, il est en jeu. On va pouvoir rejoindre directement. Tu spec via la FL. Ah, on a le jeu en français là. Oh, let's go. Donc là, les pogo. Le pogo, il y a pas de problème. Ça me dérange pas. Pour un tournoi, ça me dérange pas. Parce que peut-être que certains vont arriver ici parce qu'ils seront intrigués, etc. Peut-être les gens français.
Ça pourrait faciliter. Ça aide un peu. Ouais. En fait, c'est quand on DL, ouais, c'est bien. En plus, quand on DL sur des nouveaux PC, il est en français par défaut, ouais. Ou des nouveaux clients. Ouais, c'est ça. Et moi, du coup, j'avais le jeu en français quand j'ai cocast un truc NA et j'ai envoyé un clip de mon stream à Frodan et du coup, il y avait le jeu en français sur le truc d'Eric. Il a rigolé. Ouais. Le fait, parce qu'en fait, le mec avait la synergie Pogo, ça l'a fait beaucoup rire. Ah, Pogo. Ça l'a fait beaucoup rire. Eh bien, les amis, on ne va pas tarder à rentrer dans la game. On va prendre la poule 8. Petit prono. Moi, j'ai envie de. En plus, la poule, Zico, en vrai. La poule 8, il y a Zico et il y a un joueur où je suis hyper intrigué, c'est Ike, qui s'est qualifié au ladder. Hein. Il est top 16 ladder et personne ne le connaît. Il y avait même des joueurs qui ne savaient pas qu'il était français. Très mystérieux. Mais moi, je savais pas. Non plus, je savais pas. Ike Ragnall est français. Et je le crois souvent au ladder, ouais, pour le coup. Non plus, je savais pas, je viens de le découvrir. Putain, dinguerie. Et bah, c'est entre autres. Alors, petite anecdote, il y a un fichier LOL Chess qui était sorti pour que les gens sachent où ils en sont par rapport au top 16. Et il n'était pas dedans parce que la personne qui a fait le doc ne le savait pas. Et ouais, c'est et dur du à coup, savoir. Le dernier au snapshot était Magarki, était 17e pour cette raison exacte parce qu'il ne savait pas qu'il y avait un Français qui était devant lui. Ah, mais attends, mais c'est pas notre première game qui est en train de démarrer. Oh, le mannequin. Incroyable. Oh, le Wandering Trainer directement. Qui est marrant. Qui est par pitié, par pitié. Je suis à genoux. Un mannequin pour la première game. Ok, Ike, je l'aime pas. C'est les meilleurs games. Ike, j'aime pas. Expérience, j'aime pas. Zico, oh Zico, arrête, fais pas ça. Sois cool. Alors que Zazu, double Cassandre là. En vrai, Crescendo, c'est la pire map. Prismatique en 3, c'est jamais ça. Oui, let's go pour la première game. Oh, il n'y a pas de meilleur moyen d'inaugurer ce main event. Et directement, on peut voir les mannequins Zico avec un exécutionneur Pentakill et Arsteel. C'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu pour jouer du Karthus. Ça peut envoyer. Qu'est-ce qu'on a ici du côté de Kat? Pas mal. On a, ouais, super fan, Big Shot, Spellweaver. On peut aller en angle du KDA, super fan. Qu'est-ce qu'on a ici? On a du Emo, Mochar, c'est un peu flopesque. C'est un peu deux salles, deux ambiances. Oh, pas mal. Oh, Guardian Punk, ça peut être très très bien pour du rôle du Punk. D'ailleurs, Punk, on va en parler parce qu'avec Jinx en ce moment, forcément, on va devoir en parler. Ouais, je pense que Double, il a un très très beau mannequin. On va voir un petit peu sur quoi il va partir. KD. Oh, attends, quoi? C'est sympa aussi. Super fan, Sentinelle Guardian. Ça, tu peux jouer une Nari de fou furieux. C'est légendaire pour jouer du KD à Super fan. Qu'est-ce qu'on a ici? Super fan, Exec Hyper Pop. Pas le meilleur. Non, mais ça, je pense mais en reroll Séraphine. En reroll Séraphine. Avec vu que t'as le hyper pop. Ouais, j'avoue. Et tu peux aussi juste jouer tempo avec ça. Hein, parce que c'est des faciles. C'est des compos, c'est des trucs qui sont très faciles à rentrer. Moi, quand je vois exec super fan, je pense à Karthus. Généralement, tu le joues en KDA super fan, le Karthus. Tu peux totalement rentrer ça. Et plus tard, tu peux mettre le hyper pop, tu t'en fous en vrai. Oula. Ça, par contre, c'est légendaire. Attends, quoi que. Attends, exec, jazz. Jazz, c'est jamais mauvais. Parce que... Ah, mais c'est une game. En fait, s'il a air style, c'est une belle gamer style. Ouais, par exemple. Du coup, tu joues Ezreal Z ou Ezreal Lyonnais ou et whatever. En fait, quand t'as jazz là-dessus, jazz, oui. c'est jamais mauvais. Parce que tu peux rentrer 10 000 synergies, tu vas value ton jazz. C'est le meilleur truc à avoir sur cette map, généralement, c'est avoir jazz dans un des trois avec jazz. Parce qu'à tout moment, tu rentres n'importe quel jazz, ça te fait un bonus de fou furieux sur toute ton équipe. C'est impossible de pas value un emblème jazz. Oula. Et celui-là, c'est... Ouf. Il est dark celui-là. Il est un peu proutesque. Plus, c'est une prismatique. Mais attends, mais quoi? Mais c'est quoi ce poulet? Oh le pacte. Mais du coup, c'est vrai que Intox qui a le jazz, je pense qu'il a une des games peut-être les plus dures à manipuler, mais qui a le plus gros potentiel de top 1. Du coup. Ouais. Oh le pacte. C'était celui qui avait le flop, le pacte là, non? Le pacte, c'est pas. C'est un peu sauce médium. Hein. On va regarder un petit peu de ce côté. On a été pris. On a été prendre un hologramme. Okay, pour pourquoi Snowball. Pas? Qu'est-ce qu'on a été prendre du côté de Zico, du Buried Treasure, donc beaucoup de composants. C'est jamais mauvais, hein. Buried Treasure, c'est une des meilleures augmentes du jeu. Tiniest Titan, avec du Emo Mosher, ok, pas mal. Ouais, ça pour reroll tranquille aussi, sous O7, c'est légendaire. Des 3 costes, en plus, bah, comme tu l'as dit, on peut totalement jouer de la Séraphine. Alors qu'est-ce qu'il peut jouer d'autre avec ça? En vrai, c'est le coup dur par contre. Il a quand même eu Box Nico. Super fan, et il n'a pas super fan. Moi, ce que j'adore avec super fan dans le mannequin, c'est que c'est le seul moyen d'avoir un item radiant sur ton carry qui n'est pas super fan. Complètement. Et ça, c'est quelque chose qui peut le clutcher énormément. Superion avec un petit start. Alors, ça va pas être facile à value dès le début de la partie, mais il y a moyen de cook un petit peu. Moi, ce qui m'intrigue, c'est le hologramme début de partie. C'est un choix qui est très rare de la part des joueurs. Généralement, sur le premier augment. Du coup, hologramme, il a punk, hein. On le rappelle. Il a punk. Donc, ouais. Qu'est-ce qu'on. Ça veut dire qu'on joue. On a deux Jinx à tout moment. Non, parce qu'il est resté niveau 3 du coup. Alors, déjà, on sait même pas s'il veut jouer punk avec ça.
En tout cas, là, le Guardian n'est pas dégueu. Parce que du coup, ça lui fait un Ken N2 qui a Guardian. J'ai peut-être un call, là. Ouais. Lulu, élu hyper pop avec hologramme. C'est fantastique, c'est phénoménal. C'est incroyable. C'est phénoménal. Ah, pour le coup, ça, c'est peut-être ça le plan derrière. C'est peut-être son plan. C'est peut-être le plan derrière. En vrai. Ouais, en super fan KDA. Ah, moi, je vois. En fait, c'est... le hologramme, ça va pas très bien avec Punk parce que souvent. Attends, tu rentres à un Panthéon, t'as un rôle gratuit à tous les tours. Broken. 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 La gardien en plus. Incroyable. C'est free. Incroyable. Il est dans le futur. Alors. S'il fait ça, c'est. Private. De toute façon, on a cliqué sur un cruel pack. On a un très très beau cruel pack pour l'instant en Ligue 1. On a un Morello. Ok, il a fait le push en 2-2. Oh, c'est le Tchad. Hein. Qui, ah, c'est Bolzi. On peut le dire, c'est quand même Bolzi. Parce que c'est le seul moment où tu peux te faire éliminer de la game sur un round. Donc là, est-ce qu'il vaut vraiment le coup son push? Il a rentré quoi? Il a rentré un Corki. Ouais, il est pas mal son push. Mais bah, c'est en fait, il est bien d'un point de vue où. En fait, du point de vue où t'améliores tes rolls beaucoup plus rapidement. Mais il y en a deux, attends, mais 4, parce que 4 c'est niveau 6. Hein. 4 ça cruel pacte aussi également. Il y a 2 cruel pacte. Oh, et ce Gragas, il peut attends, se alors. Et du coup, il a fait le push alors qu'ils sont 2 cruel pacte dans la game. C'est un bonhomme. Hein. C'est vraiment. Alors, je pense. À quel point c'est de l'inconscience, de la folie, de la bêtise, je ne sais pas. La ligne est très fine. La ligne est très fine entre tout ça. Ah voilà. Bah est-ce qu'il peut pas se faire scam par le Gragas Stoneplate? En vrai, à tout moment, tu sais ce qui me terrifie le plus avec Real Pack, c'est les Olaf. Ah ouais, bah ouais, dans des trucs hyper tanky au pétard. Oh mama. Oh mama. Oh les deux Real Pack qui vont se croiser sur le round dans 2-3. Et attention parce que ce Gragas, c'est quelqu'un. Il y a un petit Last Whisper derrière. On est très très tanky. Après, il y a un Morello. Il y a une petite Lulu qui donne pas mal de boost sur toute l'équipe. Le Tarik qui tank bien. Mais est-ce que ça va suffire? Ça va suffire. Le Gragas est toujours en vie. Est-ce qu'il va recast? Oh, le Gragas qui recast. Lui est vraiment big, le Morello est vraiment sympathique. La Dink est en train de scaler un petit peu, mais je crois que ça va être en train de passer pour Cassandre. C'est peut-être le plus difficile. Tac, qui va mettre un casse supplémentaire avec Heal des Bardes. Il n'y a pas assez de dégâts. Mais 4, il peut pas passer niveau 7 si. Du coup, il va devoir attendre. Il va devoir attendre. En fait, plus tu attends, plus ça devient free au bout d'un moment. Mais ce qui est chiant, c'est que tu peux pas tempo ton stage 2. Et donc, tu peux pas gérer d'économie. Et c'est compliqué. Parce que du coup, tu vas avoir. Il va s'écouler trop de temps avant que tu puisses commencer à avoir des rôles de niveau 7. Ah, c'est pas un bon spot, hein. Cassandre qui s'impose sur ce play. Ça aurait été marrant de voir les deux pushes. Oh, ça aurait été incroyable. Incroyable. En fait, c'est vrai que là, Cassandre, je regarde, il a un 2-3, le Jazz, qui est phénoménal. Et en vrai, il pose les bollocks, mais il a raison, parce que là, son board est vraiment big. On prend une baguette. Qu'est-ce qu'on joue du spot de Cassandre? Il a Slam à Morello, c'est quoi? C'est la Séraphine, du Jazz, jusqu'au bout. On a repris une baguette là, manifestement. Morello, c'est flex, hein, mais. Généralement, quand on joue Cruel Pact, on reroll des 3 costs. Après, il y a un autre truc que tu peux reroll avec un Morello, c'est peut-être Kayle. Surtout avec 2 baguettes. Ouais. Kayle, en fait, je sais pas s'il veut reroll Séraphine, Kayle, du Jazz. Parce que après, jazz... avec baguette, gant, tu peux jouer Jazz, mais là, il te faut 2 arcs. En fait, tu dois avoir. Baguette, c'était pas tir. Tu veux jouer. Je sais, j'arrive pas, j'avoue que. Il veut jouer Séraphine aussi. Ah mais Séraphine c'était pas. Ouais non bah non tu me diras dans tous les cas t'as jamais trouvé de baguette. Ouais. Spell crit, ok. Alors là j'ai aucune idée de ce qu'il veut faire. Vraiment j'ai aucune idée. C'est pas des mauvais items en soi. C'est juste que généralement, quand tu veux jouer AP, tu commences par un item de génération de mana avant de faire 2 items dégâts directement. Ouais. Ou alors il se dit qu'il va avoir un bard headliner et c'est un adaptive, mais souvent tu veux quand même un item génération mana en tous les cas. On est curieux de la game de Cassandre en vrai. Pour l'instant il a un bon snowball. Là, de toute façon, c'est la partie facile pour l'instant. Ouais. Ça sera après que les problèmes vont arriver. Lui il est en win streak, il y a toujours un tox également avec son. Ouh, joli bard de 2 monsieur. 4 écho 2. Il a rapidement un bard chosen et qui passe 3 avec ce gear, j'aime bien parce qu'il va avoir adaptive. Et le Morello en début de game il pue parce que t'as pas d'AOE. Mais en fait. Au bout d'un moment, il a tellement stack ses doutes que son premier cast, il va appliquer le Morello sur genre 6 ou 7 cibles. Oui, c'est vrai, et là, ça devient légendaire. Mais il faut vraiment que ça soit le Bard chosen. Et du coup, il faudra aussi rapidement qu'il passe 3 pour qu'il puisse avoir les items sur son Bard chosen. Sinon, il va devoir faire un swap ou alors gamble un remover. Alors, on a un autre joueur en win streak, c'est Intox. Et justement, il va tomber face à Cassandre. Qu'est-ce qui nous a cook, le petit Intox? On a un collector sur une Samira, j'aime beaucoup, avec un emblème. C'était l'emblème exécutionneur. Le problème. C'est que les deux autres emblèmes derrière, on les value pas. Et malheureusement, on va tomber sur Cassandre qui est en train de faire de la corde à sauter avec sa petite légende. Il est heureux. En petit gold, en vrai. En petit gold, on n'a pas tout perdu pour Intox ici. Et du coup, on a le collecteur qui vient de cette Living Forge. Moi, cette augmente, je l'aime vachement bien.
Ah ouais. J'aime bien Living Crush, je la trouve vraiment sympa. Si t'arrives à streak ton stage 2, c'est tellement une free win. Mais il avait pas d'élu. Non. Oui, en effet. Bah, le truc, c'est qu'il est bien son board là. Tu peux cut la Katarina pour un Chosen. Mais. Après, il se dit qu'il veut value son Crowd Diver. Le mannequin, il dit je saute pour toi. À part ça, exact Crowd Diver. Mais en vrai, par contre, Jazz en Country au niveau 8, c'est vraiment bien. T'as beaucoup de synergie, hein. T'as Country, Exec, Emo, Gardien, Bruiser. T'as beaucoup de synergie, hein. Ouais, j'avoue. J'avoue, en vrai. Et du coup, t'as même Crowd Diver. Ouais. Vu que t'as la. Mais du coup, si t'as un emblème Country, tu pourras pas le rentrer. Mais si t'as un emblème Country, est-ce qu'on a vraiment. Attends, quelque on a Urgot 2 là. Attends, mais c'est légendaire son spot. On est. Ouais, c'est pas mal. Ok. C'est pas mal en vrai. Ok, en plus, on peut faire genre un Runan. Est-ce qu'on slam tout de suite pour la vu qu'on a perdu la streak, on slam quand même ou pas? J'adore parce que ah, mais Runan Urgot par contre. Ah, il a Urgot 2. Oh, ouais. Ah oui, Urgot. En vrai, c'est le spot est fait fin des films. Tu Runan ton Urgot, ton stage 3, il est gratos. Il est totalement gratos. Du côté de Doom, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On parlait hein, de cette Lulu qui potentiellement de Chosen. On a des bons items. On a des moitiés de bis, mais on n'a pas de tir. C'est peut-être un peu embêtant ça. Ouais, on aime bien avoir un petit blue buff. Ouais, le blue buff est vraiment bien. Surtout en hyper pop, le premier cast, ça permet de rendre un peu toute ta compo explosif. Donc, si jamais il a Lulu headliner, ça veut dire que si t'as blue buff, tu donnes hyper pop à ton autre Lulu qui va cast pour donner hyper pop. C'est et une réaction en chaîne. Exactement. Et Lulu Atomy. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le Gnar élu. Attends, mais ouais, c'est le Cats, justement, avec son Cruel Pack. Il est toujours pas niveau 7, hein, ouais. Au passage. Et le super fan, on l'a avec le mannequin, mais du coup, on n'ira pas aller chercher genre un Sterak Radiant. Les Gnar super fans qui ont le 5 super fan, je les trouve oppressants, stage 3 généralement. C'est très difficile à gérer. Double qui va devoir sacrifier un petit peu son stage 3. Vous allez voir du côté d'Xperion, qui aime bien jouer très haut les games. Il aime bien avoir un board. Ça va être assez intéressant. Et là, il a pris une augmente qui, je pense, ne lui correspond pas trop en termes de style de jeu, mais je pense qu'il arrivera à l'utiliser parfaitement. Qu'est-ce qu'on a? On a ah ouais, Peace Mind to Silver, pour là, ça peut être incroyable, hein, parce que là, les Cruel Pack, ils peuvent avoir Tiny Titans ou Vampirisme 1. Ouais. Alors, je sais pas, ils l'ont pas eu, peut-être Vampirisme, mais pas, en tout cas pas le Tacos. Expérience qui a un Tacos, Zico également, qui a chopé un Tacos. Pandora, du Rolling for Days ici, pourquoi pas. Ouais, comme tu l'as dit, Expérience, il va juste prendre le Tiny Titans, Zico également. Mais je trouve que c'est peut-être encore plus imbalance que triple Prisma. Les Prisma et tout Silver, je trouve qu'il y a trop de scénarios qui sont n'importe quoi, ou des augmentes Silver qui peuvent overcap une compo qui commence par une prismatique. Et là, le Tiny, quand tu joues Shopping Spree, c'est incroyable. Parce que l'augmente te donne un roll par tour, et te donne un gold par tour, pardon, et te donne un roll à chaque fois que tu level up. Ça te donne un nombre de rolls gratuits équivalent au niveau que tu viens de passer. Là, il va stacker les rolls, Il peut fast 8. Et au 8, il va avoir 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8 rolls gratuits. Putain, mais Shopping Spree plus Tacos, c'est comme si t'avais ta Ignest. Un gold par tour et des HP. Et ouais, plus les rolls gratuits. Plus les rolls gratuits. Et c'est comme s'il avait genre 4 fois Rolling for Days. Exactement. C'est comme là, il a 6 au compte. En vrai. En vrai, là, c'est pas dégueu. Hein. Attends, il a failli gagner contre le Cruel. Oh le Cats, oh le Cats qui a perdu 2 rounds dans le pack déjà. Oh mon dieu, le 5 super. Et tu vois, le 5 super fan, hein, la DB Radiante. DB Radiante, c'est quoi? C'est 110, 120 AD. C'est 105 d'AD et 12% de dégâts supplémentaires. Et c'est même s'il n'y a pas d'item à côté, la petite Sunfire plus ça. Cats qui va perdre un autre round. On est. Attends, mais comment on le rentre au niveau 7 lui? Tu le rentres, c'est tout. Hein. Ouais, tu le rentres. Pas de galère. Au revoir Spellweaver. Du coup, on en est vraiment bien. On est quasiment par 2-3. On est 2 off déjà pour Katz. Je vois un seul problème à ce setup. Bah, c'est les items là. C'est qu'en fait, on a des items MF. Ah non, ça va. On va faire Blue Buff là, je pense. En fait, on a pas besoin de rentrer Kennen. C'est vrai qu'on a. Bah, tu perds gardien. Les items sont un peu. En fait, Kennen, c'est beaucoup de jazz en fait. Kennen, ça donne pas mal de synergie, ouais. Ah non, mais en fait, juste là, dans son setup, c'est Harry over Kaisa. Harry over Kaisa. Ah ouais, vu qu'il y a Big Shot, ouais, c'est ça. Et du coup, tu gagnes Spellweaver. Même Seraphine over Kaisa, c'était bien. Bah oui, c'est mieux en fait. Ouais. Parce que du coup, tu gagnes Spellweaver, t'as un jazz supplémentaire, tu totalement gardes ton KDA. Ouais, je suis d'accord, absolument. Et ton niveau 8, après, c'est Kennen. Mais là, la prio dans ces setups-là, je trouve que c'est les items MF. Même quand t'as Bard 3 qui va arriver plus vite qu'MF, je trouve qu'avoir Ginzu la Suisse par MF, c'est plus important qu'avoir des items Bard. Parce que c'est vraiment elle qui fait le DPS. Et là, il y a une petite MF arc.
qui peut être très intéressant, surtout que bah, Kat, ça la perd de MF et ça va être deny par Cassandre, mais Cassandre, quel vilain petit canard. Ouais, surtout qu'en plus, il a dansé un peu une Zumba devant le truc, il a fait un petit pas chassé, un petit Attends, mais un petit Madison juste devant, oh. Là, je sais pas ce qu'il nous a fait, mais c'est un 5-aucun. Hein. Cassandre, très malveillant sur cette game, très très malveillant. Je peux sentir la malveillance d'ici. Hyperion toujours au-dessus des 100 HP au calme qui se dirige vers un fast 8. Je pense que ça va être du fast 8. Tu stabilises ton board avec des 4 costs et ensuite tu fast 9, tu utilises tes rolls gratuits. Et ce qui est bien, c'est qu'avec Shopping Spree, tu peux vraiment faire des push où t'as pas beaucoup de gold parce que derrière, bah, tes rolls sont gratuits. Donc, ça te... Si t'as 20 balles, en vrai, tu peux acheter ton headliner tranquille. Lulu 2 pour Cassandre. Exactement, et bar 3. Bar 3 qui a été trouvé qui va permettre de souffler un petit peu. J'ai peur que ça slam Shojin là. Ouais, ça me terrorise. Je veux... Et Shojin n'est pas un bon item. En vrai, par contre, je me pose la question parce que j'ai cru voir une spot pentakill du côté de Zazu, du Zaz là. C'était lui ou pas? Ouais, parce que mannequin pentakill plus spot pentakill, c'était lui. Ok. Alors là, en gros, c'est ça. Tu trouves un Yoriko 8, tu vas gagner la game. Tu vas gagner la game. En fait, il y a Murdoch qui arrive en avion, en hélicoptère au-dessus de ta maison, qui descend par une corde et qui vient, il te serre la main et il te dit. Bravo, tu as gagné la game. Félicitations. Il y avait une spot premier carreau ou c'est les Krugs qui ont été. Ou Murdoch, justement, il est arrivé au Krug en hélicoptère pour lui délivrer une petite box d'or. Alors, hein. C'est peut-être Murdoch lui-même qui est venu lui apporter cette spatule. Il lui a dit tiens, ceci est une victoire. Voici mon présent pour toi, TFT Zazu. Après, le truc, c'est qu'il a quand même pas beaucoup d'HP. 44, là, level 6. On a des sous, ça va. Mais c'est pas non plus la folie furieuse. Il peut avoir un petit crash test de mise en las, là. C'est vrai. C'est vrai que le crash test là avec deux mannequins, ça peut être pas mal. Je vois les fronts, c'est tout le monde joue la même front. J'ai vu des Echo 2 et des Nico 2 sur tous les boards. Je vais faire un petit message aux gens qui sont sur le stream. Je vois qu'il y a pas mal de fans de Gentlemates qui sont sur le stream et qui veulent voir les cocos. Et je comprends parfaitement qu'ils ont envie de voir les cocos. Sachez qu'il y a 64 joueurs aujourd'hui qui jouent et il y a seulement deux joueurs Gentlemates. On va les voir, c'est sûr, on va les voir. Mais on va pas voir que eux. Et on commence sur une game où ils sont pas là. Alors si vous avez vraiment envie de les spec, ce que je peux comprendre, vous pouvez aller sur LOL Chess. Vous pouvez aller retrouver leur pseudo sur LOL Chess. Et vous pouvez spec directement en game. Nous, on va pas cast que du mate. Évidemment, on va cast tout le monde aujourd'hui. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez juste attendre patiemment que ça soit leur game. Sachant, je crois qu'il y a peut-être Gotha qui va co-stream à partir de demain ou après-demain. Je sais pas s'il a le temps. C'est ça. Mais généralement, il aime beaucoup le jeu. Et du coup, il aime beaucoup co-stream les compétitions. Mais voilà, ici c'est un cast, c'est le cast Ofi du tournoi et on va regarder tout le monde aujourd'hui, on va tourner entre tous les lobbies, il y a 64 joueurs, il y a 6 parties donc on va forcément les voir, ne vous inquiétez pas. Et spoiler alert, on ira vu le lobby 8 de la game 2, je pense qu'il y a moyen qu'on checker en game 2 parce qu'il y avait quand même il y a des grandes chances. Hein. Absolument. Voilà, fin de la petite parenthèse, on retourne dans notre partie et Zazu qui fait une belle game en écoute. Là, la win condition, ça va être clairement de trouver le Yorick au niveau 8. Du coup, il switch quand même Elio au niveau 7, là, hein, visiblement. Il veut Roland Mordé, peut-être, potentiellement Il va pas nous faire un vilain 4-1 flopesque. Le spot est pas dingue. Hein. Moi, okay, j'aimerais bien garder la Kai'Sa et faire un 4-2 et bonne chance. La Kali. Là, pour moi, il doit gamble sa game. C'est deep pentakill ou top 8. Ouais, tu dois faire un 4-2, non? Ouais, je pense que c'est ça. C'est un 4-2. C'est un 4-2, bonne chance. 4-2, bonne chance. Ouais. 4-2, tu trouves. Après, honnêtement, les items sont pixels. Hein. Ok, oui. Le seul truc. Bah non, même, c'est même pas si chiant que ça si tu trouves la Akali Chosen, puisqu'elle aura une Hoge super fan. Tu mettras la BT sur un Viego. Pour ton Karthus, t'as un Adaptive. Ah, t'es obligé de l'arbre. Adaptive Archange, c'est très très bien. Et non, c'est très bien. Du coup, si t'as Akali Chosen, tu fais quoi? Tu l'achètes. Ouais, tu l'achètes, tu revends celle-là et tu trouves un Karthus. Hein. Mais du coup, tu l'achètes, tu stab. Et tu la revends plus tard quand t'as le Yorick pour avoir le Dipenta. Ah ouais, tu la revends plus tard. C'est t'es ça. Obligé de l'accepter si t'as une Akali Chosen, c'est beaucoup trop fort. Même en 7 pentakill, le fait qu'elle ait IE plus pas de pentakill, plus le fait qu'elle soit Chosen, avec le mannequin, etc. Vu tes HP, mon pote, va falloir. Ah bah cher. Ouais, jouer. Si il attaque un cruel pack sur sa Spike, ah potentiellement il peut attaquer Cassandre derrière. Mais attention, t'as vu la game. Il y a un mec qui a Urgot 2 début stage 3 et t'as deux cruel packs dans la game. Horrible. Donc si tu veux jouer du niveau 8 des 4 costs, bah en fait on te dit non. On te dit tout simplement non. Et là les mecs qui sont le mieux dans cette partie, c'est ceux qui ont augmente déco into Tiny Titans. Et on arrive sur le troisième augmente, on va juste prendre les composants, c'est jamais mauvais. Jamais mauvais, et on va y aller. On va y aller, on va passer niveau 8, on va revendre le Chosen et on va essayer de trouver. Alors il y a un Mordekaiser Pentakill, mais non, celui-là il s'accepte pas tout de suite. Oh, elle est belle en stab. Incroyable, incroyable. Elle est vraiment belle.
Ouais, je suis d'accord. Alors, est-ce qu'on a envie de trouver un petit Karthus pour porter les items? Et un autre truc qui peut se faire, c'est mettre les items sur Kayle 2, parce qu'elle va dégager. Donc tu revends ta... Tu arrêtes de roll. Il veut le Karthus, absolument. Je pense un petit peu. Bah, en même temps, il se dit. Je pense que c'est... Non, mais je comprends. Il est low HP en fait. Je comprends, mais il faut le savoir que KL2 c'est broken. C'est complètement. Je lui mets Adaptive Archange, elle te fait le taf autant qu'un Karthus 1, même, voire mieux qu'un Karthus 1. En fait, dans tous les cas, t'as un proc exec. Le voilà. Il est là le Karthus, on va le trouver. Il est bien. En vrai, on a 7 pentakills. Je sais pas si on lui met pas une petite Shojin là. Voilà. Boom. Ah, la Shojin, elle est très très bien. La BT, elle va partir sur qui? On peut l'envoyer sur Mordé en attendant. Je pense que c'est ta meilleure cible. Maintenant, ça donne un petit peu d'AP. On va la mettre sur Olaf. Voilà, on a vraiment envie que ça se mette sur un Viego par la suite, je suppose. Et on a deux petits composants sur le bench. Alors, on a un bel excédent de composants sur cette game. On va pouvoir jouer plusieurs carrés à la fois. Voir si on a envie de slam ces derniers items. En tout cas, on a bien stabilisé le board. On va retourner voir du côté de Zico. On ira voir Cassandre juste après, deux joueurs en win streak. Cassandre, justement, ils se croisent l'un l'autre. Et Zico, j'ai l'impression qu'il va perdre sa streak face à Cassandre. Cassandre qui est parti aussi sur une compo Jazz, donc deux personnes sur Jazz. Ouais, on a eu un tri the crowd en last. C'est-à-dire, du coup, par contre, lui, il pourra difficilement faire part 3. Il en est où de sa MF? Petit freeze. Oh, le petit du freeze. Board, du c'est board de Cassandre, hein. C'est le mode spec là. Hein. Ouais, c'est le mode spec, c'est pas le PC. Parce que nous, on peut encore bouger dans la game. Après, on peut quitter et retourner dans la game. Je pense que ça va être ça le plan. Hein. On attend un tout petit peu. Hello. Hello, mode spec. T'es jamais arrivé, celle-là, Bah, c'était forcément en compétition. Vas-y, j'ai le TF4. Ah ouais? Yoni nous dit qu'apparemment, c'est commun. C'est commun, ce petit mode spec. On a le TF4, on revient dans la game. Moi, je ne l'ai pas eu toute la journée hier. Non, j'ai spec beaucoup de games et j'ai pas eu une seule fois ce bug. Écoute, c'est une chose qui arrive. On relance. Ça va prendre quelques secondes. Mais en tout cas, Zico qui perd sa streak du coup face à Cassandre. Alors, Cassandre qui avait eu un mannequin super fan, Sentinelle, Guardian. Et ouais, pour jouer du Jazz, c'est légendaire. Hein, parce que tu peux pousser un 4 Guardian, tu peux pousser un 4 Sentinelle. Tu peux justement te décider de jouer un perso de la compo en moins et de rajouter autre chose. Mais est-ce qu'il cap si haut? Parce que là, il ne peut pas faire l'affront niveau 3, c'est impossible. Je pense que ouais, l'affront, il ne pourra pas. Après, si, vu qu'il est en win streak, il ne perd aucun round. Il peut save tellement d'HP qu'il va pouvoir passer 8 et peut-être aller trouver d'autres conditions de victoire. Genre un ZX2 ou un truc comme ça potentiellement. Ouais, un ZX2 par exemple. Lucian, après E8, E8 c'est ambitieux. Un Lucian, ça peut tomber au niveau 8. On est en train de se reconnecter les amis. Je crois que le mode spec est en pleine galère, en pleine souffrance. Je vais réessayer une troisième fois de reconnecter. Ouais, le mode spec, hein, c'est tout nouveau. Le mode spec est en PLS. Le mode spec est en pleine PLS. Et si tu fais Alt F4, quitter et tu recliques droite sur double. Tu refais un clic droit spec sur double. Alt F4, quitter. Et là, tu vas sur double dans ta FL et on reclique droit dessus. Double. T'es malin, toi. Je tente des moves. T'es malin. Mais c'est pas la même game. Il y a le stream d'expérience au pire. Ouais, le stream d'expérience, ouais, au pire. Pour assurer la game. Peut-être qu'on peut la mettre en attendant. On peut la mettre en attendant qu'on arrive à rejoindre la game en spec. Mais heureusement. Sur d'autres streams, c'est aussi la PLS, le mode spec. Aïe 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 aïe. Ah oui, là, il y a la game juste ici. Ouais, il y a la game là. Alors, parfait. comment on fait pour. Attends, j'essaie d'agrandir là. Marche pas. Ok, un petit builder. Hop, petit builder, qu'est-ce qu'on met dans le builder? En tout cas, le mode spec là, il boude. Hein. non, c'est bon, on a le stream. On est bon. Alors, qu'est-ce qu'on de retour dans la game. On a élu hyper pop. Élu hyper pop, attends, il n'y a pas double qui voulait jouer du hyper pop? Si, également. Alors, ok, mais on est niveau 8. Par contre, attends, on a utilisé tous les rôles gratuits, tout stacké là, et on a que ça. C'est décevant. Ça paraît un peu léger. Du coup, on a Shojin Radiant, du coup, on a le 5 super fan. Donc, on a Shojin Radiant Lulu avec 3 hyper pop. Attends, 4 c'est mort? 4 c'est mort, ouais. Oh non. Oh non, les chats. Oh non, le petit chat. Oh non. Oh mon petit chat. Oh non, petit chat, il est petit mort. Bébé. Oh non. Attends, mais c'est triste comment il est mort. Il jouait Jazz, non? Par contre, et Cassandre a perdu sa streak, je crois. Et du coup, par contre, pour Cassandre, le fait que Cass soit de la game, c'est tout bénef. Hein. On va pouvoir tout trouver niveau 3. Ouh, ok, oui. Là, c'est déjà beaucoup mieux ses rôles. Alors, cette Lulu, qu'est-ce qu'on fait? On la revend plus tard, on la garde. Oh, le Blue Buff. Blue Buff est cool. Après, est-ce qu'on va rester sur Lulu? Après, Blue Buff Harry, c'est bien. Blue Buff, Shojin Radiant, est-ce que c'est too much ou pas? C'est too much. Je pense que c'est too much. Too much, bah, si. Bah, si, parce qu'en fait, tes autos génèrent 10 avec ta Shojin.
et que t'es un blue buff ou pas, la Lulu elle a 42 mana, overkill. C'était blue buff Harry. MF3 pour Cassandre. Et double, je crois qu'il a Panthéon Headliner finalement. C'est des mathématiques. Ouais. En gros, genre 20. Enfin, une auto avec 10 de mana de plus, ça fait 20. 20 x 2, c'est 40. À 40 mana max. Donc blue buff, pas bon. Mais dégâts supplémentaires. Dégâts supplémentaires. Mais du coup, Harry, elle est niveau 2. Le blue buff, elle aime bien. Ça fait. Surtout qu'en plus, il y a l'hyper pop de Lulu qui est en train de proc Perma sur elle. Donc j'avoue que ça aurait été vraiment pas mal. Après, on a un remover. Ouais. On peut faire sauter plus tard. On va attaquer le ghost de double ici. Avec cet hologramme. Qui est tombé Cassandre, qui a encore perdu un round là. 60, enfin, 8 points de vie pour Cassandre. Zazu avec son. Bah, Zazu, je pense qu'il n'a pas le deep pentakill, sinon il serait en train de vraiment de gagner. Écoute, ouais, le plan c'est de fast 9. Hein. On va avoir 9 rolls gratuits. Je pense que. En fait, Shopping Spree, c'est soit tu fais des 3 cost 3 stars, soit tu vas 9. Mais tu veux pas rester au 8. On y va. Ouais, c'est, oh la coulante. Oh la coulante. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Oh le caca culotte. On ose le dire. Oh là, il est cool. Ah, on a Blitzcrank. On a. Blitzcrank est dans le builder. En fait, je sens, un truc. Il veut jouer Disco. Mais moi, je pense que c'est le moment de cut les 5 super fans. Et là, du coup, ton blue buff est accompagné d'une Shojin. Et là, ça devient bien. Et là, ça devient bien. Et là, ça devient bien. Des petites maths avec une Shojin normale, s'il te plaît. Ouais, regarde. La Shojin donne 5 de mana. Ouais, ça fait des autos à 15. Deux autos à 15, là, tu passes à 30. Lulu, 40 mana max, pas bon. Avec un blue buff, tu passes à 30 mana max. Donc, deux autos au lieu de 3. On est bon. Et donc, qu'est-ce qu'on fait le là? Le compte est bon. On cut super fan. On cut 5 super fans. C'est quoi du coup? Il a un Gnar sur le board, un Niar sur le board qui sert à rien. Il a un Niar qui sert à rien. Et un Kennen du coup, accessoirement, puisque avec juste Lilia plus Nico, il a les 3. Et ouais. Et qu'est-ce qu'on peut mettre à la place d'un Kennen? Un Thresh par exemple. Par exemple. Et oui, c'est mieux Thresh. Ou une Illaoi qui est sur le bench par exemple. Est-ce que Illaoi serait pas un perso de fou? Mais il veut jouer Disco, je crois, parce qu'il garde, il prend les Blitz et tout, non? Je sais pas s'il veut faire la Brigia. Des bans qui sont tombés. Ouais. Mais là, en fait, il y a un truc que j'ai pas là. Quoi? Je ne comprends pas ce qu'il cherche en fait. Je pense que là, il est très focus sur un truc. Et du coup, il pense pas aux petits détails que nous, on peut voir parce qu'on spec la game. Oui. C'est une explication parmi d'autres. Parce que, en fait, quand tu regardes une game, comme tu dois pas réfléchir à tout ce qu'il doit réfléchir, tu vois tous les petits détails. Et ça, c'est incroyable. Et lui, il les voit pas. C'est comme, tu vois, un cheval de course, il a des œillères, il court tout droit. Oui. Il peut pas regarder sur les côtés. Mais nous, on peut regarder sur les côtés, parce que c'est comme si on était au-dessus, on avait une vue globale. Incroyable. Incroyable. Bon, par contre, oh non, mais Cassandre, il a fait une IE sur sa MF. Non, c'est pas... Avec Pandora, t'as pas le droit de faire IE MF, c'est pas possible. C'est un peu poubelle, ouais. Surtout que t'as Pandora, donc ça veut dire qu'il a délibérément choisi que c'était le meilleur item possible. Tu sais que deux Ginzu, c'est plus fort que Ginzu IE. Oui, mais en fait, c'est surtout, c'est le bis, je ne sais pas pourquoi il a pas GS, en fait. Loco GS. Loco c'est GS c'est cool. Je préfère deux Ginzu à GS. Ah ouais? Ouais, incroyable. Après là dans cette game, il y a des Fontaine KDA qui ont 30 000 HP, un Panthéon 3 hologramme. Ouais, c'est vrai que c'est une MF mitraillette quoi, mais. Oh là là, ce Ziggs il fait du bien. Alors non, alors 4 hyper pop c'est énormissime. Tu sais ce qui est pas énormissime? Dis-moi. Sona. Bah, on prend en 4 hyper pop et fait des trucs. C'est incroyable, j'ai pas vu ça depuis longtemps. Ah, finalement, on met ça. Ah, sur... là, on est bien. Là, on est bon. Là, on est sur du 20 x 2 égale 40. Et Harry, il casse son 2 auto, pixel parfait. J'ai well played. Quelle est la meilleure sonna en 4 hyper pop? Alors, pour est-ce le attack coup, speed, c'est pas too much alors, ou c'est encore mieux? J'ai joué des setups où j'étais en Seraphine reroll et j'ai eu Sona 2 avec double Ginzu Shojin. J'ai essayé l'attaque speed, et j'ai essayé les dégâts, et je suis toujours incapable de dire ce qui est mieux. Voilà, ça t'aide. Alors en Seraphine Reroll, moi j'ai une Sona 2 taux et je l'ai mise en dégâts. J'ai trouvé ça incroyable. Par contre, ma conclusion, mais c'est là, que... Mais là, est-ce qu'en heal, c'est pas bien dans sa comp à lui? Ben moi, je vais te dire ce que j'en pense. J'ai trouvé que les deux étaient nuls à chier et que Lulu 2, c'est plus fort que Sona 2. Voilà. Oui, ça je suis complètement d'accord. Non, mais j'aime pas ça. Je suis un Sona hater sur ce patch. Je trouve ça proutesque à souhait. Je n'aime pas Sona. Voilà. Comme ça, qui est tombé au final, je vais le dire, je vais le redire. Je vais le répéter 40 fois. Je n'aime pas Sona. Je suis un détesteur de Sona. Parce qu'elle passe niveau 2 et qu'elle a des items, pourquoi pas. En tout cas, on a Zico devant. On a une Tox avec son country. Finalement, double avec son bricolage
son bricolage punk, machin, il a réussi à faire son top 4. Les Jazz, ça s'est pas très bien passé pour eux. C'est pas bizarre d'avoir ces deux Rabadons sur Lulu. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où tu pop les deux Rabadons, tu les mets sur Harry. En fait, là, tu vois, t'as Lulu, c'est un peu une batterie à mana pour... je l'ai... Non, vas-y, continue, s'il te plaît. C'est un peu une batterie à mana. Un peu, tu sais, à l'époque où on jouait Sona avec Triple Kali, oh, elle spammait des castes, elle donnait la mana à tout le monde. Bah, là, c'est un peu la même chose, tu vois, dans cet esprit-là. On va voir la ref, hein. C'est un vieux set, je sais pas. C'est 3, 4. Ouais, où il y avait des Kha'Zix trucs, machin, c'est pas celui-là. Ouais, des Void. Ouais, et en fait, tu mettais Sona et elle castait en 3 autos ou en 2 autos, et en fait, elle spammait des castes et elle donnait de la mana partout autour. 3.5. Bref, c'est vieux, mais c'est dans cette idée-là. Et Hyper Pop, c'est un petit peu ce concept-là qui était revisité. Ils aiment bien faire ça sur TFT. Prendre des vieux trucs, les remodeler et en faire un truc à la nouvelle sauce. Quoi. Bah ouais, bah notamment les synergies d'écho qui reviennent, là, les headliners qui reviennent. Ouais. Mais vraiment, je regarde les fights et je m'interroge sur cette Sona Attack Speed. Hein, parce que je sais pas si elle est pas tout moche. Attends, on n'a pas trop parlé d'Intox, mais. Attends, Country se passe très très bien. Hein. Oh là là, et attends, on a beaucoup de joueurs qui tombent là, double qui va faire top 4, Cassandre finalement qui fera top 5. Et Zico. Et Xperion, qu'est-ce qu'ils ont en commun, les deux joueurs? Ils ont pris un Psy-Titan. Exactement, un vilain tacos en 3-2. J'ai cherché le nom en français, le Psy-Titan. Ouais. Oh, attends, on a un Red Buff potentiellement pour cette Sona, double Shogin également, qui peut être très très sympa. Oh, c'est pas mal. Il faut plus que 3 joueurs. Si on a Sona 2, double Shogin, en vrai, là, est-ce que t'es toujours un détesteur ou pas? Sona 2 avec 2 Shogin, là ça devient cool. Ça fait quand même beaucoup pour faire fonctionner une légendaire. Ça, je dirais. Ce sera sur le Ziggs. Ouais, c'est mieux sur Ziggs, ouais. Ouais, pour faire fonctionner ce Hyper Pop, sur Sona. Ouais. Et là, tu mets Sona à côté des deux Hyper Pop. Et là, du coup, ça devient bien. Il a fait quoi, là? Il a voulu changer de proc, mais je crois qu'il a pas eu le temps. C'était trop tard. Ah, il voulait faire... Ah, et du coup, elle est pas dans le cadre. Oh, le flop. Un petit flop, en vrai, là. Attends, mais t'inquiète, regarde la mana pour Gnar, comme ça il se transforme plus vite. Okay, c'est légendaire. Il y a beaucoup de dégâts chez Intox, il y a tellement de dégâts chez Intox avec ce collector, en plus... Samira qui survient à un point de vie, elle est morte, un petit peu de peur ici, mais il reste sur God Trickster's Glass. Il a tellement de dégâts, Intox, il a tellement de damage. Ouh, Intox qui a un setup de Zinzito. Son Ghost gagne? Ah bah là il a tout 3 stars. Hein. Il y a Vex 3, Samira 3, Urgot 3. Il y a tout. Il y a tout. Tout niveau 3. Ça va être très difficile d'aller le chercher. Il a 26 HP, il est en win streak. On va tomber face à Zico. Lequel de ces deux tacos player va l'emporter sur l'autre? En vrai, c'est fair play. Que ce soit les deux qui s'affrontent pour savoir qui top 2, qui top 3, c'est fair play. C'est pas genre Intox qui en sort un puis il se fait ça. Ouais, c'est vrai. Il n'y aura pas un matchmaking diff. Même si, sur le round précédent, il y a un des deux qui a eu le vrai joueur et l'autre le ghost. Ah, il l'a mis en heal. En heal? Moi, j'aime bien. Il y a eu une modification. Elle peut plus target les tentacules et les mannequins avec son heal. Ouais. Et en fait, Cartus, c'est malin. Sauf si la Sona se fait one shot. J'ai un peu peur de ça. Après. Attends, parce que le Cartus il lève les bras, le mannequin, les tentacules. Focus, la Sona met un premier cast, mais c'est pas du tout le bon timing par contre le fait qu'elle mette ce cast ici. Et c'est fait one shot par Nico par contre derrière. Et maintenant le Cartus est complètement free DPR, et lui qui va suivre dans la foulée, il reste que 7 Nico et Lotus va venir à bout de la compo d'Xperion avec les assassins et Intox par contre lui il est en train de danser. Avec son petit crapaud, Zico top 2, minimum, probablement top 2 maximum aussi parce qu'Intox est vraiment solide. Oh, il keep watching le bro, j'ai eu très très peur. Il était très peur, on le rappelle les amis, hein, le mode spec a crash sur la première game, alors chose qui peut arriver. J'espère que ça arrivera pas plus que ça, parce que ce serait dommage quand même. Mais du coup, on était sous la POV d'Xperion. En tout cas, game de zinzin, j'ai des aides parce que map, mannequin, triple tome, into, augmente prismatique. Incroyable. Into double cruel pack quand même. Into double cruel pack qui se croise stage 2. Attends. Qui se croise stage 2. Deux cruel pack qui se croisent pas, on dort un peu, mais deux cruel pack qui se croisent stage 2. Alors on n'a pas eu le scénario où les deux ont push 7 et se sont croisés au même timing. Ça aurait été. Après le résultat elle-même finalement, vu 4 de l'année. Ils ont tous les deux bottom. Hein. Les deux cruel pack. Ils se sont bien tenus la main. Bah, en fait, les deux ils sont partis sur Jazz. On n'a pas un qui s'est dit je vais jouer, je sais pas, Exec ou un truc comme ça. Oh les cadeaux de ça. Oh les cadeaux. Attends, les cadeaux ça a fait William, mais non. Eh oui, tout à fait. Et ouais, on a un top 1 de Intox du et coup avec notre compo. Lobby. Et oh le 7-3, attends, mon qu'est-ce frère, qu'on voit c'est mon frère. Oh Toon. Oh mais Xavier, avec le binary fort, c'est une folie. Oh Toon avec le Z3 sur la première game. Qu'est-ce qu'on a là à côté? On a un petit Ziggs de setup Jazz. Alors ça ressemble à du Hearthsteel quand même. Hein. Attends, mais c'est quoi ce bordel? Ça sent très très fort le Hearthsteel. Mais ce mec, c'est une légende. Ça sent très très fort le Snowball into Hearthsteel stage 4.
Parce que je vois qu'on a une Death Defiance alors qu'on n'est pas censé avoir Death Defiance. Ou alors c'est la map. C'est peut-être la map qui veut ça. Est-ce qu'il y a un item Attends, mais Rick, c'est ouais, okay, là. Cruel Pack Twin Terror. C'est une map forge. C'est une map forge. Je suis placé comme un. Comme un peintre. C'est mal placé, un peintre Je sais pas. Je pense que ça se place bien, un peintre, non? En tout cas, le binary, il est légendaire ici. Le setup est royal. Et je pense que de toute façon, quand tu as Death Defiance sur un D3, tu peux te placer n'importe comment. Et c'est gagné. Et d'ailleurs, Batoon qui va valider un top 1 sur cette première game également. Est-ce qu'on a encore des autres lobbies en cours? On a un autre lobby et ça bascule direct, hein, avec la POV de Canbiz face à IRS pour ce dernier petit duel sur leur game 1 également. Attends, je regarde un petit peu. Il y a Pat Ball qui a fait un top 6, Bensac top 5, Free Maxi qui a fait un top 8, Alligato top 7. On arrive pour ce dernier duel entre un setup pentakill. Alors, il n'y a pas d'item sur Akali. Oh, ouais. Little Buddies de. Ah, le board est très capé. Je crois que ce Karthus, je ne sais pas s'il le met. Hein. Parce que là, le board de Canbiz est absolument incroyable. Ça, c'est du hardstyle. C'est du hardstyle. Au vu de la game, en plus, avec un Little Buddies pour venir caper cette comp, ce Ezreal a les items parfaits. Et ça va être une victoire pour Canbiz. Le joueur de la K-Corp qui va marquer 8 points sur cette première partie. Ici, c'est les cocos. Il y a potentiellement en top 2, on a eu un top 5 de la première. Allez, top il est là pour Yoroi. Les fans mate dans le chat qui ont la veine sur le front de 30 minutes, là, ils sont en mode, il est où? Il est là, et il fait une bonne game sur la première, et on est sur la map, on est sur la map du crabe. Le crabe énervé sur le stage 6, les deux players ont validé, et on arrive encore une fois sur un duel de fin de partie. Et moi, le board de l'écho, comment pixel, il a perdu des runes avec ça? Arsrob, Fawn, il est niveau 10, avec une Fawn. Mais quoi? Mais il a item illimité. Les boards qu'on a vus dans notre game faisaient pitié à côté des trois boards qu'on a vus. Ah ouais, c'est énorme. Donc dans notre game, c'était full Prisma. Ouais. Mais là, on est parti sur Arthrob en 1. Et en fait, maintenant, ce que fait l'augmente, c'est qu'il il booste de 20% le nombre de cœurs obtenus. Ah. Donc tu fais plus de stacks. Surtout qu'il y a raise the stake, en plus, c'est beaucoup mieux. Et en plus, tu peux raise le stack. Mais c'est un autre art style. Il y a de l'usine. C'est quoi ce board de Fail au Potato? Il est phénoménal, son board. Attends, il y a un Yorick 2 sur le site qui va peut-être s'infiltrer. Il y a un très très beau Ezreal du côté de les cocos. On a une petite Fawn en plus sur le bench. Donc là, au niveau du jazz, ça a dû bien optimiser. Il y a un Ziggs avec un Edge of Night qui peut clutch les fins de rune. Et je pense qu'on a pas mal de dégâts, mais il y a un Yorick qui s'infiltre. Attends, ce Yorick, il est tellement énervé qu'il arrive sur la backline. Il y a encore un Lucian en vie. Et ça va passer pour Fail au Potato. Top 2 pour les cocos. Il y a Yaroi également qui a fait top 3. J'ai vu un Voltarux top 5. Zagranda top 6. Opal top 7. Bien énervé hein, cette première partie. Avec. Les boards qu'on a vus, je suis choc bar. Alors, les boards sont 10 fois plus capés sur une game augmente gold, silver que sur la Prisma triple mannequin qu'on a vu juste avant. En fait, ils n'ont pas eu le temps de caper. Non, ils n'ont pas eu le temps parce qu'il n'y a pas eu d'heurstyle. Les cruel packs ont mis full pression. Les deux cruel packs, ils ont niqué la game. En fait, et même double, hologramme, il met pression. En fait, enfin, ils ont mis. Il y avait trop. Attends, mais il n'y avait pas un Tiniest Titan. Ça aurait pas été l'augmente qui gagne sur tout le lobby, ça finalement. Il n'y avait pas, je crois. Il n'y en avait pas un, peut-être. Vas-y, coup. Moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est qu'avec les mannequins, normalement, on a 10 KDA, 10 pentakill, 9 trop damage. On a rien eu. Zazu, il est mort trop vite. Le pentakill est mort vraiment. Zazu, il a une game, il était tellement pauvre. Tu sais, quand il a fait sa transition, c'est normal. C'est normal. En fait, la raison pour laquelle t'es pauvre dans ces lobbies, c'est qu'il y a deux cruel pactes. Si tu stabs pas ton board un minimum, tu te prends des gigapatas, tu meurs ultra vite. Et si tu stabs ton board, tu dépenses des gold. Du coup, tu fais ni une win streak, ni une lose streak. Parce que il y a forcément quelqu'un d'autre que tu vas croiser. Et en plus de ça, du coup, t'as pas de gold, t'as pas d'HP, t'arrives début stage 4, ok, t'as genre 60 gold à roll au niveau 8, mais t'as plus d'HP en fait. Et donc, ton board, il est pas suffisant, t'es bloqué, tu te fais sortir. Ouais. C'est un petit peu ce qui s'est passé pour ces deux joueurs. Et au final, les joueurs qui ont perf le plus dans cette game, c'était le Country. Country, c'est incroyable, ça tempo toute la game, il avait Urgot début stage 3, et les deux Tiny Titans. Les petits tacos qui permettent de tempo. Très très bien, magnifique. Ouais. Ouais, c'est un peu, moi je pense que c'est la raison pour laquelle les deux joueurs ont une bonne game, c'est Tiny Titan, ça les a mis trop bien. Est-ce qu'on a un petit point classement? Je pense que ça devrait pas tarder à arriver. On a la plupart des. J'ai bien aimé cette petite enchaînement de duels. Cool, on est arrivé sur 4 games à la suite fin de 1v1, genre c'est trop bien. C'était pas fait exprès, ça le plus beau. Donc, vraiment, parce que vraiment nous, la note s'est finie peut-être un peu plus tôt, du coup, vu qu'il y a de la pression, on a pu voir tous les duels finaux à chaque fois. Bah, deux Cruel Pact, ça met énormément de dégâts dans le lobby. Alors, qui on a loupé? On a loupé le top 1 de Neozy, de Hack. Et de Insomniac. Également. Et le top 2 de TLT, de Geduzor, Frobey également. Et ouais. Il y a top 2. Ires. N'a pas fait 3. En vrai. Il y a un Lus qui a fait 3. Lus, il est fermé en ladder juste avant. C'est vrai. C'est un petit peu pour la curiosité. Après, game 1.
Game 1, ouah, tranquille. Tranquille, game 1, il y a 6 games. Vraiment, c'est tranquille. Il y a 6 games, c'est tranquillou. Ça va s'enchaîner assez vite. Hein. Les joueurs sont déjà en train de relancer. C'est le même lobby, donc là, normalement, ça devrait enchaîner assez vite.